Le but du jeu, c'est de présenter tes produits chaque mercredi. Et ça, c'est un grand courage de ta part, parce que tu es dans un petit canton, avec une petite population, mais avec un grand courage pour ton travail de pâtissier. Et alors, maintenant, c'est quoi la pâtisserie saine pâtissière? La pâtisserie saine pâtissière, en fait, c'est déjà une pâtisserie en produits bio. Et puis après, tu avais le gluten, le lactose, c'est des gâteaux végétaliens. Et mais l'idée, c'est de vraiment présenter la même vitrine qu'un pâtissier classique, mais accessible à des gens qui sont allergiques ou qui ont envie de changer leur façon de manger en étant plus léger, plus simple, avec moins de sucre, pas de produits animaux. Ce genre d'envie. Une petite Charlotte qui est parfumée avec une crème végétale au sirop d'anis, avec un petit compoté de framboise et un biscuit aux amandes autour. À côté, c'est un biscuit amande, coco, groseille avec une crème parfumée à l'amande. Là, c'est un gâteau qui est végétarien. Bien. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de te lancer dans cette aventure? J'ai démarré comme apprenti, après j'ai fait une formation un peu plus poussée en brevet de maîtrise, et c'est surtout les voyages dans différentes pâtisseries, aussi bien en France qu'à l'étranger, qui m'ont formé, puis la curiosité, je suis très curieux, et je me lasse vite d'une gamme qui ne bouge pas, donc chez moi vous allez avoir du mal à trouver les mêmes gâteaux, parce que je joue en fonction des saisons, des envies, des idées que des clients me donnent, sont salués. C'est vraiment de la pâtisserie au jour le jour. Voilà.